Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la DT de Custo Déco. On va créer une carte avec la collection Dipsy. J'ai préparé des distress, donc je vais tout vous dire maintenant, comme ça ce sera fait. Donc je vais utiliser la distress oxy de la Peacock Feathers, la Sheephead ou la Shipped Saphir, la Cracked Pistachio. Donc j'ai préparé mes petits blending tools. Versa fine, on a des die cuts, mais je crois que je vais pas m'en servir parce que j'ai déjà ma petite idée. Je crois que j'ai plus tamponné et peut-être faire une deuxième carte autrement, on verra. Donc pour ce faire, j'ai pris du papier aquarelle. Moi avec les distress, j'utilise toujours du papier aquarelle. Je pense que c'est faisable sur du cardstock également assez épais, je pense quand même. Mais voilà, au moins si vous voulez rajouter de l'eau au fur et à mesure de votre création, ce sera déjà sur du papier aquarelle. Et j'ai pris donc ce papier Basil, donc c'est la marque, pas la marque, la teinte Caprici Mère Capri. Alors je vous dis les deux parce que si je dis pas de bêtises, si vous cherchez la référence, ce sera sous le nom de Caprici en anglais. Et puis je sais pas si vous le verrez, mais de toute façon je vous l'ai dit. Donc c'est une feuille qui est texturée et de l'autre côté vous allez avoir du lisse. Mais moi je vais prendre le côté texturé. Ce sera mon support de carte. Donc pour commencer, on va couper notre base. Enfin le papier pour faire le fond. C'est du 14,5 par 14,5. Donc là je change complètement de taille de papier. Parce que moi généralement ça fait du 10 par 15. Donc là, challenge. Alors, j'ai pu m'approuver la papier, donc c'est pas grave. Une fois qu'on a notre petite base, on va venir prendre nos distress. Donc en fait, ce que je vais essayer de créer, donc je dis bien essayer, parce que je ne sais pas du tout si je vais y arriver, je voudrais recréer le fond de la mer. Le fond de la mer, en fait, et ensuite éclaircir les couleurs. Parce que bah, une eau turquoise, c'est aussi pas mal. Mais généralement, les fonds marins, c'est très foncé. Enfin, je pourrais pas vous le confirmer parce que je n'ai jamais fait, mais j'imagine quoi. Donc du coup, je commence avec la Shipped Saphir, là. Et je vais venir faire mon dégradé comme ça. Et vous savez ce que je vais mettre en plus au fond, dans les fonds marins? Bah, les petites tortues. Mais je vais venir l'éclaircir hein, de toute façon, parce que mon but, c'est de venir en fait les tamponner. Je veux vraiment un effet de juste de tamponnage, c'est tout. Ensuite, je vais utiliser la Peacock Feathers. Donc, j'en applique au-dessus et je descends pour venir faire fondre le tout. Et du coup, par la même occasion, au fur et à mesure, je vais venir éclaircir mon fond. Je ne sais pas si vous verrez une différence vous d'ici, mais croyez-moi, ça s'éclaircit. Donc forcément, vu que je mélange tout, le foncé remonte également. C'est pour ça que j'ai cherché, enfin que j'ai pris la Cracked Pistachio également, pour continuer d'éclaircir au fur et à mesure. En espérant que ça fonctionne, hein, encore une fois. Moi, oh, il y a un truc, voilà. Donc là, on va prendre un petit peu de Cracked Pistachio. Je sais pas si ça va ressembler à un fond marin. Franchement, je suis pas persuadée de ça. Alors, je vais la retourner. Je vais placer du sopalin dessus ou du papier. Hein, vous faites ce que vous voulez. C'est juste pour éviter que je fasse des traces de doigts dans mon fond.
Donc là, je cherche pas à avoir quelque chose de clair. Hein. Je veux vraiment que, hop, là, que la couleur soit, soit vraiment présente. Voilà. Est-ce qu'on commence à avoir quelque chose? Je ne sais pas. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais nettoyer au fur et à mesure. Tout simplement pour pas que j'ai du foncé sur mon clair. Donc comme c'est les distress, un coup d'eau. Et c'est parti. Voilà. Alors du coup, on va continuer à faire notre truc. Donc là, je commence à un peu trop l'éclaircir. Donc je reprends du foncé. Mais vraiment très peu. Hop. Et puis là, je fais des bêtises. Hop. Et on fond. Et franchement, de travailler avec les distress, c'est sportif. Hein. Hop. Ça me semble déjà pas mal, ça. J'ai un truc. Voilà. Donc là, j'obtiens ça. Mais je suis pas encore contente. Parce que j'ai l'impression qu'on voit mes mouvements. Alors on va essayer d'y aller un peu plus mollo. Parle pas beaucoup. Je suis un peu à la masse en ce moment. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo. C'est vraiment parce que je suis en train de regarder la série sur Netflix, Les 100. Et on me l'avait suggéré. En fait, quand j'ai regardé, j'étais au 4e épisode de la première saison. Donc ça, c'était il y a une semaine. Hein. Là, je dois être au 10e épisode de la 3e saison. Et là, je me suis dit, ça pue. Je suis un peu trop sur mon canapé. Bon, là, certes, je suis assise, hein, mais je fais réfléchir mes méninges. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, puis ça m'a l'air plutôt pas mal aussi. Donc, du coup, j'ai mon petit dégradé. Malgré que j'ai une couleur foncée, j'ai la teinte Peacock Feathers qui vient couper mon foncé et qui vient couper mon clair. Donc, voilà. En fait, là, on est où on peut nous nager. Et puis, d'un coup, pouf, on descend dans les profondeurs. Moi, je dis, c'est déjà bien comme ça. Hop. Et on nettoie. Youp là. Donc une fois qu'on a ça, bah, on range. Alors ensuite j'ai sorti ma presse à tampons. Parce que j'ai pas envie de me louper. Donc, clac, clac. Donc je vais utiliser la planche donc Dipsy. Et je vais simplement tamponner en noir les éléments. Hop, donc forcément, je vais utiliser la petite tortue. Alors, du coup, imaginons comme ça. Ça, je pourrais en mettre aussi un petit chouïa. La seconde tortue. Alors moi, si je les mets à l'envers, ça va pas. Tac. La seconde tortue, on va la faire remonter un petit peu. On va utiliser petite méduse. Les méduses, ça c'est en haut parce que ça pique. Alors, on va mettre une comme ça. Alors, je voulais mettre un dauphin, mais ça risque de faire trop. Franchement, je vais jamais utiliser dauphin, c'est pas possible. Non, ça va faire trop.
Donc non. Bah, je pense qu'on là, on est déjà pas mal. Ah, il y a les petits poissons aussi. Non, je pense que je vais rester comme ça pour l'instant. Et on va déjà voir une fois tamponné ce que ça va donner. Donc pour le tamponnage, j'utilise ma Versafine noire. Alors, donc, si vous entendez du bruit, c'est Yipi qui est en train de faire ses pattes. Elle a un tic. C'est c'est Miss Propreté. Oui et non, parce que madame aime tout ce qui pue aussi. Donc voilà, je ne sais pas si on peut l'appeler Miss Propreté. Hop. Tac, tac, tac. On va rajouter de l'encre pour cette petite tortue. C'est vraiment pratique une planche à tamponner, franchement. Ça, c'est pas mal. Je vais également... Alors, attendez. Hop. Tac. Alors, j'ai nettoyé mes tampons entre-temps. Je me dis que si j'en fais partir, vous savez... je sais pas. J'ai un doute, là. J'ai peur que ça fasse de trop, mais là j'ai peur que ça fasse carrément trop vide. Je pourrais en rajouter dans le fond comme ça, tranquille. Vous savez, un petit peu qui bouge, quoi. Enfin, qui bouge, qui donne l'illusion de bouger. Comme ça. Et puis l'autre, je pourrais comme ça. À ras de la pâte. Je fais comme ça et puis ça pourrait être pas mal aussi, ça. Hop. Voilà. Bon, il faudra juste que je pense à nettoyer. J'espère que tout va bien partir. J'aime pas que mes trucs soient marqués, en fait. Hop. Voilà. Bon, est-ce que je rajoute des petits trucs? J'aurais bien envie de rajouter des petits poissons. Parce qu'on a les poissons ici, et puis... je sais pas. Bon, du coup, je reprends, j'ai été coupée. Donc, au final, j'ai réfléchi entre temps quand même. Je vais utiliser le petit poisson là. Je sais pas si vous allez voir, parce qu'il est tout transparent. Bah, déjà, je vais pouvoir aussi retirer ça. Hop. Je vais vous montrer quand même. Pour l'instant, on obtient ça. Donc le petit poisson, je vais venir le tamponner avec l'encre Artemio. Donc c'est la teinte Silver. Et en fait, il va se voir, mais très très peu, je pense. Parce que c'est du silver, quoi. Ouais. Je sais même pas si vous allez le voir.
Il est là. Et je me dis que de le faire comme ça, ça peut être pas mal. Hop. Donc là, en fait, ce que je fais, je le fais parce que je recopie tout simplement à l'arrière. À l'arrière, vous avez des modèles. On va en mettre là. Hop. Peut-être en mettre là aussi. On va en remettre un peu. Parce que je trouvais que ma carte, elle faisait quand même assez vide. Voilà, je pense que là, on est bien. Hop. Je vais mettre, comme d'habitude, donc c'est la seule chose qui ne fera pas partie des tamponnages, c'est les petites bulles. Alors là, j'en ai presque plus. Donc on en a, enfin presque plus, des toutes petites. Parce que les grosses, ben je trouve que ça fait trop gros par rapport au. Par rapport à ça, quoi. Alors donc, il m'en faut quand même des toutes petites. Donc là. Oh ben il a sauté le machin. Bon, ben il a disparu. Attendez, je suis pas du bon sens. Oh là, nul. En fait, les stickers sont tellement fins que j'ai du mal à savoir le sens pour les prendre. Vous allez me dire, la fille elle est complètement bête. Hop. Bon bah, puis là, c'est ce qui va prendre le plus de temps en fait. Donc là, je fais exactement comme j'ai fait sur mes autres créations. J'aime vraiment beaucoup ces petits stickers là. Voilà. Je vous en montre un et l'autre je vais le faire hors vidéo. Et je reviens. Donc voilà ce que j'obtiens. Du coup maintenant on va prendre notre papier Caprici et on va couper. Donc j'ai dit que c'était du 14,5 par 14,5, donc il nous faut du 30, on va plutôt prendre comme ça, donc du 30. Hop. Par 15. Hop. On a juste à la plier en deux. On marque le pli et ensuite on a juste à coller notre fond et je pense que je vais la mettre en 3D. J'aime beaucoup mettre en 3D mes cartes, je sais pas trop pourquoi, mais enfin pourquoi si, moi j'aime bien. Donc mais à chaque fois j'ai peur de pas la centrer en fait comme il faut. Hop. On
Allez, pour le plaisir. Voilà. On enlève toutes les protections. À l'endroit, c'est mieux. Là, si je suis pas dans le champ, vous m'excuserez, mais j'ai envie de centrer au mieux ma carte quand même. C'est pas mal. Donc comme ça elle est un petit peu en relief. Moi j'aime bien l'effet que ça fait. Il manque quelque chose je trouve quand même, vous savez, un petit titre. C'est peut-être ce qui est dommage dans cette collection d'ailleurs, parce que il n'y a pas de mots. Alors j'ai été rechercher dans mes tampons. Je vais reprendre le tampon de la fête des mères, tout simplement parce que dedans on a une journée très spéciale, donc clairement ça peut aller pour une autre occasion. Hop. Donc je vais le tamponner sur une chute de papier aquarelle. Attendez, je suis en train de me dire autre chose. On va faire autrement. Je vais prendre plutôt. Je vais reprendre une Distress. Je vais prendre la Peacock. Hop, un tout petit peu. Un petit coup de spray. Un petit sachet. Regarder quelque chose. Hop. Voilà, j'en veux pas plus. Je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre la plus foncée ou la plus claire peut-être. Non, on va mettre la plus claire. Non, la plus foncée. La fille indécise, vous connaissez. Ok, super, magnifique. Ah là là. Hop, un petit peu. Voilà. Je vais sécher tout ça au gun. Ensuite, une fois que c'est sec, je vais prendre ma VersaFine. Hop. Alors je sais, normalement on tamponne pas comme ça, mais quand c'est des petites choses, moi je me permets. Hop. Je nettoie. Et ensuite, ah, excusez-moi pour ce bruit, je vais venir du coup le détourer. Donc voici ce que j'obtiens. Et je vais venir le mettre sur ma carte. Alors soit je le mets ici, soit ici. Non, ici ça fait pas mal. Après, j'aurai toujours mon vide, mais vu que j'ai mes poissons. Réfléchissons intelligemment. Non, ici, j'aime bien. Allez, alors cette fois, j'hésite à le mettre en 3D, mais je me dis, vu que ma carte, elle est déjà en 3D, ça risque de faire un petit peu beaucoup. Et donc on va le mettre ici.
Et voilà. Donc du coup, il n'y aura plus qu'à écrire son petit mot à l'intérieur. Mais je me dis qu'on pourrait rajouter une petite tortue. Ah, je les adore ces tortues. Celle-ci, du coup, elle est dans le bon sens. Hop, mon petit bloc. Ma Versafine. Et bien entendu, on va rajouter des petites bulles. Hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'avais tout rangé, hein, parce qu'entre-temps, je range un minimum quand même. Histoire de dire que ce ne soit pas trop le bazar. Allez, c'est parti. De toute façon, dès que je mets un animal, en fait, une tortue, machin, faut que je mette les bulles. Voilà, ça nous laisse quand même pas mal de place pour écrire notre petit mot. Donc du coup, le tuto, il est terminé. Donc dites-moi si ça fait un peu un fond marin ou si je me suis complètement loupée. Parce que c'est possible. Hein. Voilà, voilà. Et puis du coup... Moi, j'aime bien mettre des tampons à l'intérieur parce que ça nous laisse de la place pour écrire, puis ça rajoute un petit cachet, je trouve, à la carte. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé la faire, personnellement. C'était la première fois que j'essayais ce style, donc tout en principalement en tamponnage, juste les petits trucs holographiques qui n'en sont pas. Et puis là, j'ai tamponné, mais j'ai découpé. Et voilà. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.